Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, c'est un nouvel épisode de Robocraft, chers amis, toujours dans les Robocraft Days, ça fait longtemps que je l'ai pas dit ça. Donc on se retrouve toujours dans une partie avec, sur Robocraft, avec donc notre petit sniper SMG. On part en team deathmatch, espérer se faire un petit peu de RP. Hein. Je vous rappelle que dans quelques parties, normalement, on devrait pouvoir être à même de s'acheter le méga plasma, donc le méga bomber, hein, comme moi je les appelle. Donc, qu'on placera sur un véhicule très particulier que j'ai construit, que vous avez pu voir sur roue, qui servira en fait de robot rush, hein, littéralement. Hein. Donc, en tout cas, c'est ce que j'espère. Donc, on va espérer le faire fonctionner, on va espérer que ça, qu'il se prenne pas trop de dégâts, et puis on verra ce que ça va donner. On verra bien ce que ça va donner. Hop. Ok. J'espère peut-être pouvoir me faire le méga bomber là, le méga plasma dans cet épisode, ça pourrait être intéressant. En tout cas, moi j'y crois. Une tortue, c'est intéressant aussi comme système de heal. J'aime beaucoup. Ok, nous sommes donc en team deathmatch, en train de dire, il faut faire attention à là où nous allons. Il aime tirer sur ses alliés pour indiquer le... Spotted. Oh. Ah bah, j'aimerais bien tirer là où je vise en fait. J'aimerais bien que ça tire là où je vise en fait, ouais c'est ça tout à fait. Ok, j'ai raté tous mes tirs jusque là, c'est génial. Par contre on est un petit peu trop nombreux au même endroit là, c'est saoulant. Si je puis dire. Et j'aimerais bien que ça tire où je vise. Voilà, un kill, enfin. Est-ce que ça peut tirer là où je vise, mon dieu? Ok, ça me saoule. Ça me saoule. Où est-ce que ça vise? Putain. C'est gonflant. Mais putain, mais pourquoi? Mes canons sont super hauts. Pourquoi ça vise pas au bon endroit? C'est saoulant. Apparemment, je suis pas stable non plus. Voilà autre chose. Mais putain! Mais c'est quoi ce bordel? Excusez-moi, mais là ça me saoule! Y'a aucune raison que ça vise pas au bon endroit, ils ont le champ libre! Ils ont absolument le champ libre et ça tire pas au bon endroit. Pourquoi? Là, je comprends pas. Ça m'énerve, chers amis. Ce jeu est mal conçu, ce jeu est fini à la pisse. Voilà, là ça tire plus pour une raison que j'ignore. C'est moi qui prends, j'ai autre chose. Casse-toi! Casse-toi! Me bloque pas le chemin, reste derrière! Bon, on passe en SMG, c'est pas grave. Oh putain. Oh là là, regardez ça, regardez ça, regardez ça! Hop! Il en branle pas une! Aïe! Est-ce qu'on pourrait aller se battre? Ou pas? Oh putain. Vous savez quoi? Moi, je vais contourner mes ennemis. Hop. Pourquoi ça vise pas là où je... Regardez, regardez. T'as des mecs en hélicoptère qui arrivent à viser précisément, moi sur des pattes qui sont faites exprès normalement. Hop.
C'est le sacrifice, hein, mais là je... C'est pas grave, franchement c'est pas grave. Là je comprends pas pourquoi ce robot ne tire pas là où je suis censé, là où il est censé tirer. C'est ça qui me... Qui me turlupine, chers amis, littéralement. Hein. Pourquoi est-ce qu'il tire pas là où il est censé tirer? Enfin, je comprends pas. On va l'emmener en test drive, en test robot. Et on va aller voir, parce que là je comprends pas pourquoi il tire pas là où il est pas, là où il est censé tirer. C'est stupide. Putain, je pense être un sniper et je... ça me saoule. Ah non, me dis pas que tu marches correctement là, parce que ça va pas le faire. Donc sur du plat parfait, y'a pas de problème apparemment. Ah bah voilà, ça y est. Alors. Voilà. Voilà autre chose. Alors pourquoi? J'aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi il y a un canon qui tire pas comme il faut? Voilà, il y a un canon qui tire pas là où il faut. Je comprends pas. Je comprends absolument pas. Je comprends absolument pas pourquoi. Là qu'on m'explique, parce que là je vois pas pourquoi ça passe pas. Il y a aucune raison, il y a aucun conflit. Il y a absolument aucun conflit quand tu tires en face. Bon, on va repartir avec, on va bien voir. Hein. Mais c'est saoulant, je le dis, c'est saoulant. Et il risque de changer ce robot, hein. Il risque de changer prochainement. Sûrement quand j'aurai le méga bomber, là je le changerai. Je le referai. Mais bon, c'est embêtant parce que je l'aimais beaucoup, je trouvais qu'il avait de la gueule. T'as intérêt à être solide, toi. Parce que ça risque d'être léger un petit peu ce que t'as là. The battle for Spitzer Dam has begun. Enfin bon, c'est mon avis. Et mon avis compte pour du beurre. Commence bien. D'accord, donc on vient de voir en fait ce qui vient de se passer. Il y a un tir. Il y a des tirs qui sortent pas du canon. Ce jeu est fini à la pisse, chers amis. Mais oui, bien sûr, les snipers sont finis aussi à la pisse d'ailleurs. Tout le principe du sniper est mal fichu. Génial. C'est la fête. C'est l'éclate. Pouah, il y a la moitié des tirs qui partent dans le vent. Oh, ça me saoule. Alors, mon point rouge, il est parti où? J'ai un tir sur deux qui touche. Oh putain! Il tire même pas où il faut. Enfin, je veux dire, si vous mettez un point rouge, faites en sorte que vos canons tirent au point rouge, merde! Oh là 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 là
C'est énervant. Franchement, c'est énervant, chers amis. Hein. Sans vouloir être... Qu'est-ce qui fait que ce sniper ne tire pas là où il faut, quoi? Où il est l'intérêt de jouer cette classe? Où il est? Putain! C'est débile! C'est absolument débile! Je suis désolé, ça m'énerve! Regardez! Regardez où est le point rouge! Je viens de tirer là, des tirs! Et des tirs! Mais non, ça suffit pas! Dit-il en ayant le. Le kill du. Hop, touche! Mais fait, c'est saoulant, je veux dire, il n'y a aucune raison que ça tire dans le vent, et ça tire dans le vent. Honnêtement, c'est... Oh là là. Si, alors je vais faire un truc. Ça va être drôle, hein. On va avoir un vaisseau qui va être magnifique à regarder, mais bon, il est déjà pas mal, hein. Soyons honnêtes. Je vais le modifier, vous allez voir. On va prendre des petites. Allez, suppression, suppression. Et on va tout mettre au même niveau. Hop. Hop. Allez. Donc normalement en écart il me faut un petit. Si je me trompe pas. Hop. Vous allez voir, il va être beau le robot. Ah puis là en plus il peut... Il a même pas la place. Ok, c'est là que je vais le mettre. J'aurais dû faire ça en x2, mais c'est pas grave. Je vais le refaire. Voilà. Ici on avait mis un comme ça. Ici on avait mis un petit, c'est parfait, il y est déjà. Hop. C'est là où ça va être drôle. Hop. Je suis stupide en plus. Ok. Le mettre à l'avant. Hop. Crac. C'est beau. Hein. Alors déjà qu'il était pas beau de base, mais alors là. Attends, des sommets de mocheté. Hein. Je crois qu'il est un cube au-dessus. Ouais. Ok. J'espère que c'est bien ça le problème. Hop. Maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que j'ai gardé les espaces nécessaires. Hop, merci. Raté. De toute façon. Hop. Crac. Crac. Et oui, là, ils sont plus bons non plus les espaces là. Ah, c'est la fête. C'est la fête, chers amis. C'est
La fête, c'est la fête. Bah, je sais où est-ce que je vais les mettre. Même pas, je sais pas en fait. Parce que de toute façon, il y aura un problème de... De toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura un problème. Hop. Et maintenant un petit, s'il vous plaît. Ok. Allez, on repart avec ça. On va bien voir. Est-ce que c'est plus précis ou pas? Je l'espère. Honnêtement, je l'espère. Parce qu'apparemment, quand on a tout sur la même ligne à des hauteurs différentes, ça marche pas. Bah, écoutez, on va tenter autre chose. On va tenter autre chose. Alors. Et déjà, il y a un tir qui marche pas. C'est génial. Mais enfin bon, c'est pas grave. S'il est plus précis, après tout, je veux bien jouer le coup. Pas tenter le coup. Oh là là, on est malin, on indique notre position à l'ennemi en tirant n'importe comment. Ouhouhou. Donc là c'est pas la peine, je vise pas au bon endroit apparemment. Selon le jeu. On va avancer en coupant les... Hop. Eh ben non, trois tirs loupés déjà. Hop. C'est la fête. Hop, touché. Putain mais... Oh! Ça va me faire le plaisir de crever, non? Ah non. Non, non. Ok, j'en ai tué un. Génial. Donc le sniper, en fait, l'objectif du sniper, c'est de ne pas viser, de ne pas tirer sur l'ennemi. Voilà, c'est le principe du sniper du jeu. C'est débile. Absolument débile. Comment je vais m'en sortir avec ce truc-là? Comment je vais m'en sortir? Bravo, bravo, Freejam. J'espère que... Alors... Honnêtement, je demande un truc presse. Si je l'ai, vu comment je leur gueule dessus sur leur jeu qui est mal fini, ce sera magique. Mais bon, c'est pas grave. On part avec ça parce que de toute façon, j'ai envie d'avoir au moins une victoire dans la game. On va partir en Battle Arena parce que voilà, rien à foutre maintenant. J'en ai plus rien à foutre. Mais bravo, 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 bravo. Vous avez complètement chié sur votre jeu. C'est magique. Ça me gonfle, honnêtement ça me gonfle.
Moi c'est la classe, c'est une classe que j'adore, moi, le sniper à la base, hein, mais ça donne pas envie. Hein. Honnêtement, ça donne pas envie. Hein. Le pire, c'est que je sais ce que je vais faire comme, comme type de robot, et derrière, et ça va être tellement moche. Mais ça risque d'être efficace, ça le problème. Enfin bon, on verra bien. On verra bien. Ok, c'est parti. The battle for Spitzer Dam has begun. Ok. Ok, et de 1. Your fusion shield is now active. Hop. Spotted. C'est pas grave, hein. Moi j'ai pas honte de l'utiliser cette arme là. Après tout, le nombre de fois je me fais défoncer. Vu que j'ai un robot de type volant, entre guillemets, je peux me permettre de l'utiliser vu que j'en bouffe aussi plein la gueule. Ok. Allez-y, volez les mecs! Je veux vous voir voler, moi! Your team has captured the bottom fusion tower. Hop! Un problème? Il veut te la mettre? Allez, touche! Ah, ils m'ont eu, GG, je me suis pas vu mourir aussi vite. Honnêtement, ils m'ont pas... je me suis pas vu mourir aussi vite. Enfin bon, quand tu vois le machin qui vole, quoi, franchement. C'est pas grave. Allez, on y retourne. On passe en mode auto-guidé. Vous savez quoi, il y a un truc que j'ajouterais bien à ce véhicule, mais malheureusement, je n'ai pas assez de... flop pour ça. C'était des aéroflaques, je les aurais placés au niveau des épaules. Pour voir si je pouvais faire planer comme ça, genre là, comme ça. Vu que vous me parlez tous de jetpack.
Your bottom fusion tower is under attack. Spotted. Moi, ça me tend très bien. Your bottom fusion tower is under attack. Your top fusion tower is under attack. Tu as peur? Tu as peur, Potter? Non, c'est on a peur, Potter. Tu aimerais bien. M'en fous, je l'ai touché. J'ai pas détruit, mais je l'ai touché. Ok. Je l'ai touché. Je crois qu'ils m'ont vu. Oula, ils sont nombreux. Et là, ils sont un petit peu trop nombreux, effectivement. Ok, ils sont où mes potes en fait? D'accord, pourquoi ils avancent pas? Enfin, je sais pas, on a les deux tours. Ouais, tu me diras, ça c'est une bonne façon d'attaquer aussi. Ah bon? Il y en a un chez nous? Et les mecs, il y en a un chez nous! Bon, on l'occupe. Hop, voilà. Problème résolu. Allez, salut les mecs. On y va! Bon! Oh, qu'est-ce que j'aimerais le sprint, le blink là-dessus, le petit blink! Le petit blink! Your middle fusion tower is under attack. Hop les, pardon. Spotted. 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 Your middle fusion tower is under attack. Your middle fusion tower is under attack. The middle fusion tower has been captured. Comment il a pu régénérer aussi vite lui? Ah, pourquoi j'ai des lags comme ça? S'il touche cela. Voilà, c'est ce que j'avais dit. S'il touche cela, ça devrait être suffisant. Hop. Comment ça, deactivated? Allez, mec! Aïe! Je me suis fait un tir allié! Tir allié! Tir allié! Tir allié! Allez, dégage! Quoi? Restons discrets. Dit-il. Hop, restons discrets. Spotted. Spotted. Ah, ils m'ont douté d'avoir vu un truc. Ah, mais putain de lag à la con. Your plutonium reactor is under attack. Spotted.
peu trop nombreux là. Bon, c'est pas grave. Mais vous faites quoi, les mecs? Pourquoi vous campez le point de spawn depuis le début du jeu, en fait? C'est ça que j'aimerais comprendre. Et faites quelque chose! Mais tirez-lui dessus! Putain, vous êtes à 3! Regardez les dégâts qu'il vous met alors que vous êtes 3 ou 4 sur le terrain avec autant le bombardier. Enfin bon. Je peux pas nous faire autant de dégâts que ça. Hop. J'aimerais bien que ça regarde devant parce que. Mais non, wow! Ah, tu te barres! Oh putain! Ça me saoule, honnêtement, ça me saoule ce genre de mec. C'est incroyable! Maintenant, je crois que je vais demander un compte admin. Et je bannirai chaque trou du cul qui prendra le plaisir de se barrer dans une game. Tiens, bouffe-toi une salve. Hop là, ça c'est fait. Bon retour. Hop, j'y suis. Allez. Ok. Ok. Allez! Your bottom fusion tower is under attack. Ça y est, on l'a eu. Your bottom fusion tower is under attack. The bottom fusion tower has been captured. OK. C'est du bol. Allez. Allez les mecs. Oh putain, il leur reste rien. Ils vivent avec un poil de cul de vie. Non. La haine. La haine. Et vous savez, c'est qu'ils peuvent encore nous battre avec ça. Comment t'es censé, enfin, faire quelque chose avec ce robot? Comment il arrive à pas te tirer dessus? Ah, ça y est! Bravo! Bon! Est-ce qu'on se fait les points restants pour avoir le robot? Enfin, le méga plasma, finalement. Croisons les doigts, je regarde pas l'écran, à vrai dire. Alors, j'attends pas le bruit. Est-ce qu'il y a un bruit déjà? Oui, il y a un bruit. Ok. Oui, on a ce qu'il faut. Normalement, on a ce qu'il faut. Oui. Ok, fin de la construction alors. Enfin, j'espère. Hop. Voilà pour ceci. Il va nous falloir quelques millions supplémentaires, je vous le rappelle.
pour ce qui est du des électroplates en fait, simplement. Ok, alors, edit robot. Moi c'est au niveau de ça, il va me falloir peut-être un petit peu plus de... Alors attendez, de mémoire. De mémoire, si je fais ça comme ça. Ah oui, ça marchera pas, faut pas que je fasse deux lignes. Sinon ça va mettre un cube n'importe où. Voilà, ok. Ça, ça passe. Hop. Ah mince. Hop, ça, ça passe. Comment je vais pouvoir faire ça ici? Alors déjà la taille du canon qu'on aille voir, qu'on rigole un coup. Il sera forcément désaxé, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Nothanos CPU, comment ça Nothanos CPU? Trop de queue. Ah oui, alors, ah oui c'est vrai, il fallait, en fallait 300, bah merde alors. Comment je vais réaliser ce prodige? Hop. Déjà, on a un peu moins de 200. Ok. Hop. On verra ce qu'on peut remettre en fait derrière, mais là normalement je les ai. Si tant est que j'arrive à placer le la truc. Alors. Alors. Ok. Oh bah merde. Et oh, 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 oh. Voilà, merci. Hop. Merde. Ah mais. Non. Alors. Ça. Hop. Normalement, de mémoire, si je place un cube ici, ça devrait être bon. Est-ce que c'était ça? Je me rappelle plus. Est-ce que c'était là? Non, c'est dans l'autre sens, il me semble en plus. Ah, je sais plus. Je sais plus du tout, chers amis. Ellipse, je reviens. Chers amis, excusez-moi. Donc, il y a une couille, excusez-moi, il y a une légère couille quand même. Il y a une légère couille quand même. Il faut que j'arrive à la corriger maintenant. Hop. Voilà. Et ça passe. Ok, et maintenant, comment j'arrive à régler ce problème-là? Là. Ok. 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 Voilà, c'est bon. Normalement. Là, là. Là, là. Et on garde notre système en par 3. C'est surtout ça qui comptait en fait, chers amis. Hop. Vous voyez, il y a 3 cubes de... de dénivelé, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Non, je crois qu'il faut que ça monte encore un peu. Est-ce que ça les met tout seul dans le bon sens? Dommage, non. J'ai espéré. J'ai espéré. Et normalement, ceux-là sont dans le bon sens et ils sont à l'envers, littéralement. Voilà. Et voilà, on obtient normalement la bonne... la bonne, entre guillemets, forme. Ok. Ok, ok. Alors, maintenant qu'on en est là. Ah, 270. Catastrophe. Et à ce moment-là, il y a mon téléphone qui vibre. Ah là là, c'est la joie. Ok, comment je peux régler ce problème?
En réduisant peut-être. J'ai supprimé un truc qu'il fallait pas que je supprime. Voilà, c'est ça. En réduisant peut-être la protection, entre guillemets, si on peut dire. Hop, de moitié. Ce qui m'amènerait de mettre mes tourelles ici. Ce qui serait peut-être pas plus mal au final. Mais bon, est-ce que je vais avoir la... ce qu'il faut pour les tourelles derrière, les, comment, les flops pour les tourelles derrière. Telle est la question. Mmh. Ça m'ennuie parce que ce sera pas bien comme il faut, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et moi, je l'avoue. Je l'avoue, ça m'ennuie. Ok. Alors. Maintenant, il faudrait que je rajoute aussi, niveau cosmétique, ce cube. Ce cube. Ok. Et ensuite. J'ai chié dans la colle, apparemment. Pourquoi j'ai pas le même résultat en fait, c'est ça le truc. Ah oui, parce que je suis con, on s'est décalé d'un côté. Effectivement. Oh. Je m'en doutais qu'il allait avoir un coup à la con comme ça. Ah, quelle horreur. Je vais devoir supprimer un cube quelque part. Mon dieu. Oui, je suis con, il y a ceux-là que je peux supprimer. Tu t'accroches à quoi toi normalement? Ah oui, d'accord. Ah, rien. Hmm. Hop. 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 Crac, crac. Hop. Hop. L'appareil. Ok. Et normalement, j'ai de quoi finir mon cosmétique sur le côté. Alors. Hop. Parfait, merci. Merci le jeu. Hop, voilà. Autant le faire jusqu'au bout. Ok. Bon. Alors, hormis les électroplates, normalement il est efficace. Enfin, hormis les électroplates, normalement il est entre guillemets effectif, il est fonctionnel. Toutes les électroplates ne sont pas... enfin, dernier tiers, celle-ci en l'occurrence et celui-ci. Cependant, on peut espérer de faire un petit single player ou un petit test robot, tiens, pour aller voir s'il reste équilibré ou non. Ça pourrait être intéressant. Et peut-être que je vais placer aussi le speedomètre là pour pouvoir voir. Oula, là ça commence mal. Notera un certain manque de vitesse. Et il passe. Il passe. Il passe, chers amis. Bon, par contre, là, il va tomber. Ah, non. Bien. Alors. Il y a une bonne cadence de tir comme ça. Et là, il sait y faire aussi. Cool. Cool, cool, cool. Bah voilà! Un peu trop haut, d'accord. Ah, il tire moins en cloche que les autres. Ok. Bon! Bon, bon, bon. Alors, est-ce qu'il monte là, par exemple? Eh! Eh! Y'a respect ou y'a pas respect? Bon! Oh, je pensais qu'il allait tomber, mais non, Bill Bokeh. Eh ben voilà, t'as trouvé ton nom. T'as trouvé un tournoi, mon pote. Bill Bokeh.
ça c'est fait. Il n'y aura plus qu'à l'équiper comme il faut au niveau Electroplates. Et ce sera bon. Donc je vais pas highlighter, donc c'est Bill. Bokeh. Voilà, comme ça. Forcément ça allait pas être Bill Bokeh normal. niveau couleur. Ce que je vais faire. Non. Non. Ok. C'est que celles-là elles sont en TX, celles-là ne le sont pas. Celles-là sont censées l'être, celles-là ne le sont pas. L'armement. Ok. Dommage, c'est très pistache comme couleur, finalement. Ok. Hop. Voilà. Les pneus, ça a toujours été noir. Ok. Tous les appendices. Vert. Le gros appendice. Vert, hop. Merde, bon, je reviendrai sur la couleur normale. Tu le sens, mon gros appendice? Ok. Parfait. Ah. Non, surtout pas. Hop, je préfère. Alors, hop. Ah, non, non. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Ah si, faut que je vous mette en blanc, vous. Faut que je vous mette en blanc pour penser à vous changer. Faut que je vous change. Donc, je vous mets en blanc. Hop, 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 hop. Ok. L'appendice. Cherchez pas appendicectomie, s'il vous plaît. On risque de tomber sur des images un petit peu hardcore. Hop, hop. Bla. Crac. Et normalement, j'ai des toutes faites. Ok. Ah non, j'ai oublié de faire ces pneus là en noir. Hop, et là aussi ces couleurs là pour ces appendices ici. Est-ce que je fais les appendices des roues en... Oui. Ah. Ah. Qu'est-ce que j'ai peint qu'il fallait pas peindre déjà? Qu'est-ce que j'ai peint qu'il fallait... Ah oui, ça. Ok. Hop. Ok. Hop. Ok. Voilà. Hop. Eh ben il est cool ce robot. J'espère qu'il va être efficace au combat. J'espère franchement qu'il va être efficace au combat. Ok, bon. Eh bien écoutez les amis, sur ce petit bonus qu'on va se laisser, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce-bériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, nous retrouver dans la merde de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à commenter au sujet d'avoir un compte presse,
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que je devrais avoir un compte presse ou pas? C'est votre avis qui compte, chers amis. Ah non, pas cette couleur-là. Votre avis compte, donc n'hésitez pas à le donner. Non, c'est trop proche. Blablabla. Non, mais au final, le vert était bien. Il ressort pas assez, peut-être, en fait. Je finis sur du noir encore, moi, je le sens. Ouais, c'est bien, sur du noir. Donc voilà, encore une fois, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut, les gens. Et yo!